Welcome to my channel. J'espère que tu vas bien et que tu as la positive attitude. Pour toutes les nouvelles personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Saouda. Welcome to my channel. Et toi là qui me regardes, hein, qui n'est pas encore abonné, j'attends. Et la team Saouda, comme d'habitude, on s'enjaille ensemble. Aujourd'hui, on va parler de la gamme de Garnier. Regardez-moi tout ça, un truc de dingue. Alors, j'ai pris shampoing savon. Je ne sais pas si vous connaissez. Je ne sais pas si ça va bien mousser. Je ne sais pas si je vais aimer. Ben écoutez, je vous dis, let's go. Ok, donc je vais tester. Celui-ci, je pense que tout le monde connaît, mais ce qui m'intéresse le plus, c'est le shampoing savon qui m'intéresse. Voilà, je vais faire la totale. Vous voyez, je vais faire le shampoing, le masque et à la fin, je vais mettre la crème de soin sur mes cheveux. Je ne sais pas si ça va faire l'affaire. Savon shampoing, oui, 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 les gars, c'est un savon. Qu'est-ce qu'ils nous ont marqué? Ultra doux, shampoing solide, 94% d'origine végétale. Reconstituant trésor de miel, cheveux fragiles et cassants. Solide, un concentré de soins sans déchets plastiques. Tradou associe le miel et la cire d'abeille dans une recette solide pour nourrir et réparer vos cheveux. Facile à démêler et sans effet rêche. Notre shampoing est formulé avec du miel et la cire d'abeille. 97% biodégradable. Massage facile et rapide, le tester dermatologiquement. Ah, bah écoutez, on va voir déjà comment ça se présente. Ça sent hyper bon. Ça sent trop bon. Ça sent trop, trop bon. Voilà, je vais aller mouiller mes cheveux et puis après, je reviens. Mes cheveux sont mouillés. Let's go avec ce savon. Enfin, ça fait vraiment bizarre hein, de prendre un savon et de faire comme un shampoing. En tout cas, ça mousse, hein? Regardez. Ça mousse bien. Ça fait bizarre, quoi. Pour moi, c'est une première. J'ai fait le cobaye pour vous. Ça sent trop, trop, trop bon. Regardez-moi ça. Ça mousse très, très bien, en tout cas, pour l'instant. Là, c'est un peu compliqué parce que je ne suis pas sous la douche à le faire. J'ai quand même un peu du mal avec ce savon. Franchement, je sais pas. Je sais pas si j'adhère. Parce que moi, bien que ça mousse. Donc, ça mousse très très bien. Vous avez vu ça? Waouh! C'est génial, hein? Non. Non, ma fille, elle a dit non. Vous voyez, ça mousse très 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 bien. C'est agréable et doux comme shampoing en tout cas. Mais ça prend pas tout d'un coup en fait. Je veux ou peut-être le faire comme ça avec mes mains. C'est avec les mains et après je le mets au niveau de mes racines. Moi j'adhère pas quoi. Je suis pas trop fan du savon pour les cheveux. Enfin j'aime pas. Je sais pas. C'est. Ouais, je sais plus quoi dire quoi. J'adhère pas tout simplement. Là, je vais aller laver mes cheveux et après, je viendrai appliquer le masque de la marque Garnier à base de huile d'avocat et de beurre de karité. Je vous dis à tout de suite, je vais aller laver mes cheveux et je reviens pour le masque. Ok, ça y est, j'ai lavé mes cheveux. Maintenant, on va passer au masque ultra doux, avocat et beurre de karité. Ils disent ici, véritable recette nutrition intense pour les cheveux très secs. Moi, j'ai les cheveux très secs ou frisés. Garnier ultra doux à mélanger de l'huile d'avocat aux propriétés puissantes et du beurre de karité. Crème onctueuse et légère qui fond instantanément dans vos cheveux. Résultat, les cheveux sont bien nourris intensément et extrêmement faciles à coiffer. Bon, je retiens, extrêmement facile à coiffer. Vos cheveux sont réparés et assouplis en profondeur. Ils retrouvent une douceur et une brillance irrésistible. Ah mais non, hein, une brillance irrésistible. Je vais l'appliquer. Donc ils disent de l'appliquer généreusement jusqu'aux pointes. Laissez agir 3 minutes et rincez.
Voilà, c'est parti. Je vais appliquer ce masque sur mes cheveux. Je vais déjà, dans un premier temps, séparer mes cheveux pour bien appliquer. Voilà, je vais vous montrer, hein, parce qu'ils ont dit de l'appliquer très généreusement. Ben moi, j'ai utilisé pratiquement la moitié du pot. Hein. Ah là là, c'est hyper agréable, c'est frais, c'est très très frais. C'est. Oh là là, attendez, je vais me faire un petit massage crânien là. Waouh, c'est trop trop bien, c'est trop bien. Oh là là. Qui veut un massage de crâne? Voilà, donc là, j'ai bien appliqué. Hop. Je vais l'appliquer ici. Vous voyez? Voilà. Frais, ça. Ça sent bon, c'est onctueux, c'est. Waouh, moi j'adore. J'adore. Et je sens là mes cheveux qui commencent à se détendre. Oui. D'accord, j'arrive. Et du coup, que les cheveux sont bien nourris. Moi, je sens que ça commence à se détendre. Regardez tout ce que j'ai utilisé. J'ai presque utilisé la moitié, quoi. Vous voyez, voilà, c'est important. Si du papier film, et bien le mettre. Comme ça, ça va bien chauffer à l'intérieur et les cheveux vont être vraiment bien, bien nourris. Bon, j'attends les 3 minutes. Je vais aller rincer et je reviens pour vous dire ce que j'en pense de ce produit. À tout de suite. Ouh, ça y est, me revoilà. J'ai lavé mes cheveux. Mais les gars, oh là là, les cheveux là, quand je commençais à laver, à enlever le masque, on dirait de la soie. Tellement c'était une douceur, c'était. Bon, bah écoutez, voir si ça va aller facilement. Les cheveux mouillés, mais là, waouh, c'est. Déjà, rien que au toucher, c'est tellement agréable. C'est vraiment agréable. Ils sont bien détendus. Après, la brillance, c'est pas vraiment extrêmement brillant comme ils ont dit. Hein. Il y a un peu de brillance, mais c'est vraiment. Voilà, c'est pas comme ils ont marqué que la brillance est irrésistible. Bien nourri, les cheveux sont bien, bien hydratés et il y a cette douceur. La douceur, ça je confirme, il y a cette douceur au niveau des cheveux, c'est impeccable. Je vais démêler mes cheveux. Voilà, ça passe crème, hein, ça passe doucement. Alors peut-être que en démêlant même, hein, il y a quand même la brillance, hein, une fois démêlé. Hein. Bon, je retire ce que j'ai dit. Regardez, il y a quand même la brillance là. Une fois démêlé, je pense qu'il faut démêler les cheveux. Une fois démêlé, voilà, il y a cette brillance là. Et après, on va passer aux crèmes coiffantes. Voilà. Ça démêle vraiment très très bien. Mais une fois démêlé, c'est là où on voit la brillance. Laisse-moi finir ma vidéo, s'il te plaît. Je vais tester en dernier cette crème. C'est une crème soin, l'huile d'avocat et beurre de karité. Véritable recette nutrition intense pour les cheveux très secs, frisés. La crème de soin nutrition intense garnier ultra doux associée à l'huile d'avocat, connue par ses propriétés assouplissantes. Beurre de karité réputé pour ses vertus hautement nutritives, onctueuses et légères, fond dans vos cheveux. On va voir ça. Tuta nourrit intensément. Vos cheveux sont très faciles à coiffer. Ils sont incroyablement souples. Mais Garnier, vous adorez, hein? Vous adorez dire c'est incroyable, c'est extrêmement, vous voyez, mot d'emploi à utiliser chaque jour au moment du coiffage sur les cheveux secs ou mouillés. Donc je peux l'utiliser cheveux mouillés, secouer le flacon, hop, puis le presser sur la crème dans vos cheveux. Pas besoin de rincer. Je vais l'appliquer, mais pareillement, je vais séparer mes cheveux.
Voilà, je vais le séparer et je vais prendre une petite noisette. Hop, voilà. Je vais commencer par les pointes. Et le restant, je vais le mettre au niveau de la racine. Ça sent trop bon. Ça sent trop trop bon. Donc vous voyez, là j'ai bien appliqué au niveau de mes pointes. Et ce qui reste, je vais mettre ma main à l'intérieur. Bien nourrir le cuir chevelure. Les cheveux, ils sont très 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 souples, très doux. Vraiment, ils sont vraiment très très doux au toucher. Mais la souplesse, franchement, regardez-moi ça. Et j'adhère, j'aime bien. Ce qui est bien, c'est que c'est pas gras, doux, même au toucher. Moi, j'aime bien. Vous avez vu, moi, je l'applique d'abord au niveau des pointes, je monte, et à la fin, je l'applique au niveau de mes racines, ce qui reste. Pour ne pas agresser ma cure de chevelure. Ce que j'en pense, on va commencer par le savon. Pour moi, le savon, je n'ai pas du tout adhéré, j'ai pas aimé. C'est petit et c'est pas très pratique pour moi. Et puis, enfin, je sais pas, c'est... Ouais, moi, j'ai pas aimé, j'ai pas kiffé, quoi. Voilà, hop, voilà. Et au niveau du masque, c'est excellent. Franchement, si vous avez les cheveux... très crépus, très très secs, surtout les cheveux très très secs, foncez, n'hésitez pas parce que ça nourrit vraiment vraiment vos cheveux, ça apporte brillance, mais nous ce qu'on veut c'est vraiment l'hydratation et en tout cas, ça hydrate vraiment les cheveux, et leur carité, ça nourrit vos cheveux, cheveux secs, c'est l'idéal, mais moi 3 minutes c'est très peu, faut quand même attendre 30 minutes pour bien bien faire nourrir les cheveux. Parce que 3 minutes, je trouve que c'est vraiment peu. Et puis, mettre du papier cellophane pour, sur vos cheveux pour attendre pendant 30 minutes, voire une heure. C'est ce que moi, je conseille. Et puis, la crème, elle est bien. La crème, elle est très, très bien. La crème n'est pas trop grasse. Ça ne colle pas au niveau de vos doigts. C'est sympa. En plus, sur cheveux mouillés, c'est pas mal, quoi. Ça ne fait pas l'effet gras comme les crèmes que... qu'on a l'habitude de mettre, que ça fait tout de suite gras, mais là non, je sens pas mes cheveux qui sont gras, je sens pas, ils sont très très souples, agréables, faciles à coiffer, ça c'est sûr, parce que voilà, comme vous avez vu avec le masque, j'ai pas eu du mal à démêler mes cheveux, ça démêle hyper bien dans les matchs, à part le savon là, hein. Moi j'ai pas adhéré ce savon aussi, à une de vous qui l'a déjà utilisé en commentaire ce que vous avez pensé de ce shampoing savon. Mais moi, j'ai pas adhéré du tout. Mais pas du tout. C'est vrai que ça sent hyper bon. Mais plus quoi. Voilà, sans plus. J'ai pas du tout adhéré. Donc voilà, ce fut la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez adoré ma vidéo. N'hésitez pas à faire partager mes vidéos. Et puis, ben, écoutez, pour ceux qui n'ont pas encore abonné, hein, que vous me regardez là, vous attendez quoi? Abonnez-vous. Sur ce, je vous fais... de gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao !